À tous les gobeurs de mouches, ouvrez grand vos oreilles. Ici Patricia Tanis. J'ai trouvé une nouvelle arche. Comme vous le savez peut-être, l'ouverture de la première arche il y a 5 ans a déclenché une réaction en chaîne qui en a révélé d'autres. On s'en fout ! Tu t'en fiches de tout ça, chasseur de l'arche ! Toi, tu veux du butin, des gros becs, des explosions ! Moi, c'est Torg, et je suis là pour te poser une et une seule question ! Des explosions ! Libérez cette fréquence écho, vieux clown dégoulinant de protéines. J'essaie de... Il y a trop de syllabes dans cette phrase! Excuse-toi! Comme je le disais, cette nouvelle arche que j'ai découverte est enfouie au centre d'un énorme cratère et ne s'ouvrira, je cite, que lorsque le champion de Pandore lui versera le sang de l'ultime poule mouillée. J'ai tort! On pense sincèrement que c'est de la putain de boulette! C'est trop énorme qu'on organise un tournoi pour trouver la putain de brutasse numéro 1! Si ça te branche, rends-toi là où l'arche est enfouie! Le cratère de la brutasserie des brutasses! Ce n'est pas le nom de cette zone! Le cratère de la brutasserie des brutasses! Bienvenue au cratère de la brutasserie, Brutas. Ici Monsieur Torg, en direct des fins fonds de l'orbite. Si t'es là, c'est que tu veux remporter notre tournoi, ouvrir une arche et décrocher le titre de Brutas numéro 1. Bon, avant de commencer, tu dois poser ta signature numérique sur la clause de décharge de responsabilité. Je déconne! Décharge de responsabilité, mon cul! T'es à Torgland, mon gars! Dirige-toi vers l'arène pendant que je te claque un solo monstre à la guitare! Oui! Balalala! Bonjour! Oui! Balalala! Oh oui! Ah oui! Ah oui! Voilà! Du dino matin! Ah oui! Oh oui! Au classement des brutasses, c'est-à-dire derrière ma grand-mère, mais devant le type qu'elle a étouffé avec ses gencives. Ça lui a pris des heures. Si t'as l'intention d'ouvrir cette arche, va falloir grimper au classement. Et puis il faut un sponsor pour des putains de raisons légales. Dirige-toi vers la reine, on va t'en trouver un, mon pote. T'as peut-être remarqué que tout le monde essaie de buter ici, même les employés de Torg. Y
Y'a pas de quoi, mec. Je voulais pas que tu t'ennuies. Alors j'ai fait genre, rien à foutre. Paye des flingues à tout le monde. On a paumé la moitié de notre main-d'œuvre en 3 jours. Mais ça, eh ben on s'en fout. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de tricherie, de truquer les combats pour obtenir le titre de numéro 1 ? Jeffrey, eh ben en gros, je pense que d'abord je voudrais faire ça. Et puis, je leur dirai de jamais me traiter de tricheur ! Et oui, je vous permets de me citer. Hé, hey, par ici la blusaille. Et maintenant, en présence de l'énormitude. Voilà ce que Piston te propose, mon canard. Piston devient ton sponsor. Piston te prend sous son aile musclée. Et ensemble, nous ouvrirons cette arche. J'ai déjà organisé ton premier combat dans l'arène. Va là-dedans et montre-leur que Piston est le chasseur de l'arche. Ne sont pas des petits rigolos. C'est moi ou on dirait bien qu'il te prépare un sacré coup de pute ? Normalement, un premier match, ça se déroule contre un seul adversaire. Mais là, je me suis dit, bof. Alors, à la place, tu vas te la coller contre une dizaine de types qu'on appelle la Horde des Horreurs. Perso, je pourrais les fumer les deux becs attachés dans le dos. Mais méfie-toi quand même. Mesdames et messieurs, le
moment que vous attendiez tous. La horde des horreurs contre le chasseur de l'arche. Préparez-vous à mitrailler des tronches à tir le rigot. Ah, le coup fatal du chasseur de l'arche. Oh!
pourquoi personne ne jouait avec moi. Posez-la. Ça va couper. T'es vraiment les poules mouillées. Poules mouillées. Tu peux pas gagner! Chien, mesdames et messieurs, le chasseur de l'arche a disparu de l'arène. Oh, je comprends pas. Mais c'est quoi ce bordel? Je vais t'expliquer, Dorg. Le chasseur de l'arche s'est fait la malle. Cette mauviette s'est rendue compte qu'elle devrait m'affronter, moi, Piston, Brutas numéro 1 de Pandore, et elle a pris ses jambes à son cou. Ses jambes à son cou? Bah, c'est pas sérieux! J'ai pas le choix! En tant que responsable du tournoi Dorg, je suis forcé de déclarer le chasseur de l'arche poule mouillée! Ok, pas les masques. Je sais qu'en vrai, t'es pas une poule mouillée. Mais putain, ce retournement de situation, c'était un grand moment de télé. Bref, si tu veux rester dans le tournoi, il va te falloir un nouveau sponsor. Va au Beatdown. La Brutas numéro 4 du classement habite dans le coin. Il s'appelle Pyro le Ouf. Et, grosse coïncidence, il a kidnappé hier une sponsor indépendante de la région. Tu vas aller le buter et lui rendre visite. Mais pas dans cet ordre-là. Abandonné! Brutas! Ouvre à l'œil!
chasseur de l'arche. C'était comme mon enfant. Je l'ai sponsorisé. Je l'ai emmené au sommet. Et puis, il s'est dégonflé et il a fichu le camp. C'est la conclusion, c'était. Même avec cette histoire de poule mouillée, tu restes la brutasse numéro 5 au classement Torg. Et Piston est numéro 1. Alors tu vas buter tous ceux qui sont devant toi. Tu vas reprendre en main ton héroïsme et tu vas le flanquer en plein dans la gueule de Piston. Merci de courir. Marcher sur les braises, briser sur les marches. Tu finiras bien par buter Pyro le ouf. Mais avant ça, tu dois découvrir où il a planqué la sponsor qu'il a kidnappée. Sinon, tu pourras pas monter dans le classement. On va jouer un jeu chasseur de l'arche. Un jeu. Tout le monde. Je vais te guérir l'acné en pigeon. Attrape ça avec les dents.
Thank you.